Hugo Néron pour son texte journalistique « Bactéries écologiques mangeuses de fer ». De l'atténuation sonore d'un projecteur auditif de type casque anti-bruit. C'était vraiment intéressant. Bravo! La première position, Mohamed Zezem. Zezem! Bravo! Son affiche qui était amélioration de l'imperméabilité au solvant d'un film en nitrile par l'ajout de nanoparticules d'argile. Donc, il est scandant des bourses pour le concours d'affichage. Je ne sais pas si tu veux prendre une photo. Ben oui, mais pas. Enlève ton micro. Allez-vous. Bravo! 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 Donc, juste en terminant, vous avez eu la chance d'avoir les articles journalistiques des trois récipiendaires, des trois nominés cette année, des trois gagnants dans vos sacs de congrès. Puis il y a aussi Robert Richard qui m'a assuré que les textes seraient présentés dans une des publications futures de Travail et Santé. Bravo! Donc, c'est une belle visibilité pour les étudiants des cégeps, puis on est vraiment très fiers que ces étudiants-là puissent rayonner à travers la fondation de cette manière-là. Merci beaucoup. Merci pour tout, Nicolas. Sans plus attendre, on va continuer le banquet. On va se revoir un petit peu plus tard dans la soirée. Merci à tous. Merci.